Sadiki, oh l'accélération de Sadiki. Et puis le petit crochet, le centre en présent. Déjà léopard avec les équipes d'âge, Noé Sadiki vient d'être convoqué pour la première fois dans la teignard des léopards seniors. La liste des léopards sélectionnés pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 connaît des nouveaux visages. Hormis la jeune pépite de l'Union Saint-Gilloise de la Belgique, le sélectionneur manager Sébastien Desabres a fait appel pour la première fois au défenseur Axel Toisembe de High Pitch Town, promis cette année en première ligue anglaise. L'autre nouveau visage est celui de Samuel Essendé, l'attaquant vedette de Vizela du Portugal. Sur cette liste, l'on note également le retour de Shadrach Akolo, Edo Kayembe et du portier Timothée Fayoulou de Sion en Suisse. La RDC fera avec les grandes absences de certains léopards qui ont arboré le maillot lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. C'est notamment Cédric Bakambu blessé, Silas Katampa, Lionel Pansy, Brian Bayeye, Siadi Bagio. À manque de temps de jeu au sein de la formation du tout-puissant Mazembe, la RDC devra également compter sur les ambassadeurs habituels, à l'instar de Gaël Kakuta, le capitaine Chancel Mbemba, Meshak Elia, Maswaku, Théo Mongonda, Fiston Maïe, Samuel Motosami, Joris KMB, Dimitri Berto, Johan Wissa et bien d'autres. Les léopards croiseront le Lion de la Teranga le 6 juin à Dakar et le 9 juin au stade de Martyrs et ils se frotteront aux éperviers du Togo. L'RDC compte actuellement 3 points après 2 matchs livrés dont une victoire devant la Mauritanie et une défaite face au Soudan.